penser la transformation d'un continent, d'une génération. C'est le pari tenu par le gouvernement gabonais qui a fait de Libreville pendant 3 jours la capitale africaine de l'intelligentsia économique, financière, infrastructurelle et culturelle. Un rendez-vous d'élite qui aura permis à plus de 1500 participants d'engager résolument la transformation structurelle d'un continent réservoir de potentiel sur la base de son riche capital humain. Le maître mot de ces 3 journées d'échange est le partage d'expériences et transformation. Transformation des mentalités qui nécessite du courage et de la détermination pour questionner notre leadership, mais aussi nos populations dans leur engagement pour une Afrique qui prend son destin en main. Transformation des ressources naturelles sur le sol africain qui nécessite, et tout le monde s'y accorde désormais, la maîtrise des technologies et la mobilisation des capitaux pour assurer un développement économique durable, pourvoyeur d'emplois et de produits made in Africa. Ces transformations, mesdames et messieurs, ne peuvent aboutir que si le travail est érigé en valeur cardinale. Ayons la lucidité de reconnaître qu'il nous faut, pour y parvenir, apprendre d'abord à respecter la parole donnée, à respecter les délais d'exécution, à respecter les normes de fabrication et surtout les standards internationaux. Le président Ali Bongo Ondimba a réitéré sa volonté de pérenniser ce rendez-vous pour faire du Gabon un pays à l'avant-garde des questions de développement sur le continent. Il est important pour tous les Gabonais qui nous écoutent, pour toute cette jeunesse qui voit que pour parler de son futur, de son avenir, beaucoup de personnes se sont déplacées, certaines venues de très loin. Et je voudrais que nous, Gabonais, nous puissions tirer avantage de ce genre de rencontre, écouter bien tout ce qui est dit, les expériences des uns des autres, et prendre et tirer le meilleur. Pour, à la fin d'une session comme celle-là, pour nous dire à la fin, lorsque nous rentrons chez nous, tout ce que j'ai entendu reste dans mon esprit. Mais je veux rencontrer les mêmes personnes dans quelques années pour leur dire, venez voir ce que moi j'ai accompli grâce à ce que vous m'avez dit. La transformation économique, financière et infrastructurelle de l'Afrique est engagée, bien engagée, et le Gabon d'Ali Bongo Ondimba montre la voie à tout un continent. L'Afrique dont on parle très souvent maintenant, un peu partout dans le monde, on dit que c'est le continent du futur. Et nous, on veut maintenant qu'on dise c'est maintenant.